Hey les gars, ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve sur Roblox, on se retrouve sur une hobby, sauf que regardez, j'ai beau appuyer sur le bouton sauter, on ne peut pas sauter tout simplement parce que c'est une hobby où on n'a pas le droit de sauter tout simplement. Donc voilà, là on se retrouve au spawn et au spawn, on voit qu'on a plusieurs difficultés, donc sans effort, facile, normal, moyen, bah, difficile, il y a deux difficiles jusqu'à imbattable. Donc on va pouvoir commencer du coup le mode sans effort, enfin le niveau sans effort. Ok, donc là, étape 2, je pense que pour l'instant c'est assez facile. Donc voilà, donc là par contre en bas, je vois qu'on a des. Ah, ok, c'est payant. D'accord. Donc ça, c'est payant. Ok. Donc là, le début, c'est normal, c'est tout simple. Ok, donc là. Ah, ça saute tout seul, ça. Ok. Ok, donc là, ça nous amène en haut. Donc là, normalement, on peut passer comme ça. Là, il n'y a pas besoin de bouger, normalement. Ok, parfait. Ça, j'ai l'impression que c'est un téléporteur. Ce n'est pas un téléporteur, je pense qu'on a du temps pour passer. Ok, non, je pense que ça disparaît pas. Ok, bon, c'est parti. Donc, vous voyez que c'est quand même grand. Donc, ah oui, du coup, on a la couleur. On a un petit code couleur. Donc là, faut avancer. Et donc, regardez, là, on a le spawn, enfin, l'autre niveau juste là-bas. Ah, ok, donc là, on a de la glace. Ok. Là, passer ici. Normalement, ça passe là. Ok. Voilà, tant que tu marches, tu peux pas tomber. Voilà, ça c'est vraiment le niveau simple, voilà. On peut pas même, on peut même pas tomber, je pense. Même quelqu'un qui a jamais fait d'hobby de sa vie ne peut pas tomber dans ce niveau-là. Voilà, donc là recule un peu. Donc là ça tourne, rien de particulier. Voilà, ok, là les blocs les disparaissent, ça passe largement. Donc là on va arriver au prochain niveau. Donc vous voyez là je suis pas mort une fois pour l'instant. Ok. Donc là on passe ça normal. Donc là il y a ça. On arrive là, du coup là faut marcher. Donc là on arrive au niveau facile. Donc je pense que c'est le niveau sans effort, mais c'est pareil que le niveau sans effort, mais peut-être un peu plus compliqué. Quoique. Donc là je parie qu'il y a un truc invisible. Voilà. Et donc là, passer ici. Voilà, donc objectif de la vidéo, peut-être 50, 60. Je sais pas. Parce que je sais pas il y a combien de niveaux. On va peut-être pas tout faire en une vidéo. Je vous laisserai découvrir les autres niveaux par la suite. Ok, donc là, faut passer comme ça. Ça passe largement. Ok, donc là, ça tourne. Faut juste venir au bon moment et sortir au bon moment. Donc là, je pense qu'il faut pas toucher les bords. Les bords en marbre. En couleur marbre. Ok, donc là, faut attendre la plaque. Nickel. Ok, niveau 30. Donc c'est parti. J'ai vraiment le réflexe de sauter à chaque fois. C'est une dinguerie. Donc là, ça passe largement. Voilà. Ici, on prend le petit rebord qui dépasse. Parfait. Donc là, je crois que c'est de la glace. Va falloir faire gaffe. Ok, ah oui, c'est vraiment de la glace. Ok. J'en ai fait des hobbies dans ma vie. T'inquiète pas que celui-là, c'est pas celui-là qui va m'arrêter. Ok, donc là, je pense qu'il faut refaire comme tout à l'heure. Ok. Un saut gratuit. Attends, ça fait quoi si je fais oui? Attendez. Bien sûr. Ah ouais, ok, il demande d'inviter les amis. Voilà. Ok, donc là faut passer sur une genre de corde. Enfin une grosse corde même. Ok. Donc là. Ok, j'ai eu trop peur. Voilà. Donc là faut passer comme ça. Voilà. Parfait. Ok, donc là faut monter. Peut-être se mettre en première personne. Parfait. Voilà, première personne, ça sauve tout. Donc là, on arrive au normal, ça fait un peu niveau diamant. Ok, donc là, j'ai débloqué, enfin, le badge niveau facile. Et donc là, j'ai pas vu c'est quoi le niveau. On peut pas revenir en arrière? Ah non, il y avait ça, ok. Bon, le nom du niveau, j'ai pas vu ce que c'était. C'est pas grave, c'est pas important. Je pense qu'il faut monter là, non? Ce n'est pas une échelle. Comment on fait pour passer? Voyons voir. C'est pas une échelle? C'est une échelle. Bah oui, c'est une échelle.
vous disiez bien. Donc là, je pense qu'il va falloir rester en première personne pour passer là. Là, ça va. Là, on aurait pu le faire en troisième personne. Donc là, faut. Oh, ça va vite. Attendez. Ok, ça va très très vite. Ok, large. On a des trucs invisibles. Ok, ça c'est pas mal. La part des développeurs d'avoir mis ça. Donc là, normal, petit jump. Première fois que je vois des blocs comme ça qui font jump. Ok, j'avais pas vu. Donc là, par là. Donc comment tu veux faire? Ah, j'ai compris. En fait, faut pas s'inquiéter de ça. Hop. Non! Ok, faut pas. C'est pas les murs qu'il faut. Regardez, c'est. Ok, c'est. Faut bouger le joystick de la bonne direction pour pas aller dans le mur, en fait, c'est ça. Donc, niveau 50, donc je pense qu'on va faire plus de 50. Vu que c'est très très rapide. Ok, attendez. Tac. Magnifique. Là, par là. J'ai encore le réflexe de sauter pour monter l'échelle. Ok. 52. Est-ce que c'est de la glace ça? Ouais, c'est de la glace. Heureusement, ils ont mis les murs. Même sans les murs, je pense que ça l'aurait fait, mais. C'est toujours mieux. Non! Rien que pour ça, vous devez mettre un like sous la vidéo. Je ne veux rien savoir. J'ai failli tomber. Ok, donc vite, 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 vite. Ok, nice. On passe entre les murs. Là, faut prendre l'échelle ici. Parfait. Vraiment, c'est un sans faute pour l'instant. J'ai dû mourir une ou deux fois, je crois. Je sais plus. Je vais tellement vite. Donc là, on a une petite zone. Ça marche comment? Ah ok, c'est comme si on fly, ok. C'est trop bien. C'est le meilleur hobby no jump que j'ai fait pour l'instant. Hein. Sinon, tous les autres que j'ai fait, c'était des trucs normaux. Mais là, les trucs où on s'envole, c'est super bien. Super bien fait. Donc là, on était au niveau normal. Là, on arrive au niveau moyen. Je pense au moins au niveau difficile numéro 2. Vous voyez, à la moitié. À la moitié, et puis après, je vous ferai. Enfin, vous pourrez découvrir vous-même le reste. Hop, nickel. Donc voilà, là, on esquive les cubes. Ok, ça nous TP. Enfin, ça nous TP pas ici, ça nous envoie là. Donc là, il faut aller sur le côté. Franchement, aucun. Ah, aucun problème, j'allais dire. Faut juste passer sur le côté. Nickel. Alors, ah oui, on a un bloc ici. Ok. Faut réussir à prendre le bloc, passer ici. Donc là, faut aller sur la plateforme là. Nickel. Donc voilà. Après, prendre le petit cube ici. Là. Ok. Donc là, faut passer entre. Ok, il faut passer au milieu. Ok, nickel. On va passer à droite aussi. J'ai dit, on va passer à droite aussi. Ça fait échelle. Pas tomber dans le vide. Ah ouais, là, ça commence à être chaud, hein, comme on voit. Ok. Je n'ai pas besoin d'aide, merci bien. Ils vont me demander quoi, de mettre un like sur le jeu, je parie. Donc là, faut aller là. Ok, là, ça commence à être un peu complexe. On va pas se le cacher. Complexe, mais pas impossible. Voilà, faut passer là. Ok. Moi, du coup, ça le fait en troisième personne sur les blocs comme ça. Voilà, ici. Parfait. Franchement, on gère. Oula, par contre, là, je suis bloqué. Voilà, par là. Voilà, le petit jump qui nous aide à passer. Ok. Donc là, comme ça. Ok, donc là, faut juste avancer. Tout simplement. Qu'on se fait ralentir par le. Par le truc par terre. Ok, bon. Niveau 74. On peut revenir comme ça. Donc là, faut esquiver le marbre. Ok, parfait. Là. Comment qu'on va faire? Ok, on prend l'échelle là. Ça, c'est un bloc d'échelle. Là. Waouh, ok, là ça commence à être assez complexe. Où est-ce que je peux passer? Ah non, on peut pas sauter du coup. Ah là! Ah, il y avait un.
Ah ok, il y a un bloc caché. Il y a un petit bloc caché derrière derrière ça. Je l'ai pas vu. Ok. Nickel, là on passe ici. Ok, doucement. On passe, tranquille. Ok, le jump pour passer ici. Ok, pas toucher ça. Donc là, faut pas prendre le bloc là, sinon on se tape le marbre. Ok, donc là, ça fait un petit escalier avec des jumps. Passer la zone là, je pense, pour arriver ici. Ok, nickel. Franchement, c'est incroyable. Donc là, je pense. Non, faut pas prendre ça. J'allais faire une erreur. Là, faut passer sur le côté. Ok. Ils ont mis une zone juste là pour nous tuer. Donc là, ici. Ok, franchement, on gère. Franchement, on gère. Donc là, faut prendre le haut ou le bas? Prendre le haut. Ah, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ah, oui, non, bah, je suis passé au milieu, d'accord. Donc là, faut passer là. Pourquoi ça m'a fait tomber? Ah, je crois qu'il faut faire. Ah, ok, j'ai compris. Ok, ça l'a fait. Ok, donc là, niveau difficile. Enfin, le difficile 1. Le vert clair. C'est parti. Ah, c'est de la glace. Ça, je suis tombé. Peut-être se mettre en première personne ici. Parfait. Rien à dire. Pour l'instant. On est arrivé sur difficile 1. On va voir ce que ça change. Oula, attention. Faut. Ah là, ok. J'ai pas vu, ça avait changé de sens. Ok. Ah, faut passer comme ça. Ici, ça passe normalement. Ça passe. Ok. Alors, où est-ce qu'il faut passer ici? Nickel. Ok, donc là, faut passer là. Et ici, ça nous amène directement ici. Ok. Donc là, je pense qu'il faut jouer un peu avec ça. Surtout avec celui-là. Parfait. En fait, il y en avait un qui nous propulsait vers ici. Ok. La glace qui glisse. Oh, comment je suis pas tombé? Là, je suis tombé. Ok, il faut y aller vraiment doucement. Pas de geste brusque. Voilà, parce que là, il n'y a pas de mur pour t'empêcher de tomber. Voilà, quand on y va doucement, ça va. Du patin à glace, doucement. Patin à glace en chaussures, comme on peut voir. Ok, on est arrivé. Donc là, faut passer là. Hop, comme ça, en première personne. Voilà. Ok, donc là, petit escalier pour monter en haut. Ok, donc là, faut aller sur la gauche ou droite, hein. Là. On passe ici. Et là, il y a un. Ok, on a un truc pour monter. Ah, ok. Faut monter ici. Ah ouais, donc là en fait si tu tombes juste en tout en bas. Sauf si tu te rattrapes bien. Je ne veux pas troller quelqu'un. C'est combien? Oh non. Ça ira. Déjà j'ai pas envie qu'on me troll, je vais pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Voilà. On arrive à rejoindre d'autres joueurs quand même. J'ai l'impression qu'on va quand même vite. Comment ça se fait que je suis tombé là moi? C'est le mec, il a pas compris, il va dire j'ai oublié de sauter. Bâton. Comment tu fais? En fait, je crois qu'il faut vraiment rester droit. Droit à l'échelle. Mais pourquoi tu tombes? Je ne veux pas ignorer cette étape. C'est normal, c'est un niveau difficile aussi. Faut que ce soit un peu plus compliqué. Alors. Donc là, je pense qu'il faut vraiment rester tout droit comme ça. Voilà. Parce que je bougeais un peu en fait, c'est pour ça je pense. Ok. Petit jump. Petit jump. Petit jump. Parfait. Ok, donc là je pense que sur les trucs rouges, ça va pas nous tuer, ça va nous mettre en dehors de la plaque. Ok. Donc là, hop, sur le côté, dans le carré là. C'est vraiment bien les trucs des blocs comme ça. On n'avait jamais vu. C'est incroyable.
Et donc là, lévitation. Voilà. Hein. Normal. Ok, donc là, faut passer là. J'ai failli tomber. Je suis tombé, je suis tombé. Moi, je suis un matin ou quoi? Ok. Là, faut pas tomber. Échelle. Ici, petite échelle, j'ai cru tomber. Voilà. Ah, ok, c'est pas mal ça. Tu repasses par là. En fait, ils ont mis un checkpoint entre les deux. Enfin, dans le niveau là, en fait. Pour éviter de tout refaire, je pense. Ok, ici. Tac. On va attendre là. Ok, jump. Parfait. Ok, on va arriver. Étape 100 bientôt. Ok, voilà. On passe ici. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'ai une petite idée. Non, ça glisse carrément. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Y a pas un truc en dessous? Ah, j'ai compris. Ah, ok. Je croyais qu'on glissait, mais non, on glisse pas sur le cylindre. Ok, alors là, par contre... Ah, on peut pas remonter. Ok, donc c'est ça, je pense que j'ai l'astuce. J'ai l'astuce. Je pense que je sais comment faire. Donc là, en gros, faut pas tomber en bas. Et donc là, faut pas aller sur la plaque, je pense. Bah si. Attends, comment tu veux faire? Donc là, par là, c'est ce côté-là. Jusqu'ici, on est d'accord. C'est pas par là? Non, il y a le marbre. Faut peut-être vraiment aller sur la planche. Il n'y a pas une exception ici, on peut pas sauter? Ah, dommage. Ah, attends. Pas un moyen de remonter. Ah! Non! Non! Ok, bon, j'ai trouvé comment faire. La première personne, ça marche à tous les coups. Hop. Ok, on va pas refaire la même erreur. Donc là, gauche ou droite, c'est la même chose. Ok. Ah, faut faire du gauche-droite aussi un peu. Ok. Donc là, lévitation, ok. Là, faut prendre comme ça. Tac. Oh, faut regarder en haut aussi. J'ai eu peur. Ah. Ok. Ah là. Donc là, faut passer comme ça. Et des blocs invisibles. Ça va, j'arrive à les suivre. Ok, donc là, on va faire le shift lock. Bah, ça tombe bien, on l'a pas sur Xbox, je crois. On l'a pas. Ah, je sais, je crois qu'on peut l'activer dans les paramètres. Enfin, il y a un jeu où tu peux faire ça. Dans certaines zombies, tu peux l'activer, mais là, il y est pas. Peut-être ici, non? Non, ça, c'est pour troll les joueurs. Bah, écoutez. On va avancer, et puis si on n'y arrive pas, et ben, je vous laisserai découvrir le reste, parce qu'après il y a encore avancé, le plus difficile, folle, extrême, hobby pro et imbattable. Donc là, niveau difficile 2. Ok. Ok, donc là, passer petite échelle. Alors là, je pense qu'il faut... Ça c'est un... Ah, nice. Ok, petite échelle. Ah, ça fait des petits escaliers. Ici, donc là ça nous déverrouille là, on arrive à rattraper les autres qui m'ont doublé. Ok, ici, échelle. Donc là on reprend l'échelle. Non! J'ai oublié d'avancer à la fin. Bon c'est pareil, ils vont prendre de l'avance. Ah mais il est revenu là. Tac. Donc là il faut faire tac et avancer là. Ok. Donc nice. Dites-vous les gars, on était là-bas, on a déjà fait tout ça.
Voilà, tout ça là. Et après, quand on regarde, oh, il reste quand même beaucoup, mais. Parce que là, je pense qu'on voit pas beaucoup. Enfin, on voit pas tout d'ici. Ok, hop. Donc là, ici. Ok, j'ai eu peur de tomber. Ok, ici, petite échelle. Passe là. Bah, pour l'instant, il n'y a pas besoin de. D'utiliser ce qu'il disait pour faire le niveau. Ok, ça déverrouille par là. Ça aussi, c'est bien le fait de pouvoir déverrouiller les zones comme ça. Wesh. Ah, ok, il faut sauter. Je crois que c'était une obi, notre jump, hein, quand même. Hop, non! Ça fait quoi si on passe par là? On peut pas passer par là en fait. Ah ouais, tiens, on pouvait pas passer là où je suis passé. J'ai essayé de tricher en fait. Genre, je voulais passer comme ça par là, mais on peut pas. Hop. Concentré. Ok, le saut final. Nickel. Il s'agit d'un toboggan d'échelle, un mécanisme clé qui sera utilisé dorénavant. Le shift lock. Ouais, mais je crois que je peux pas. Bah si, je peux. Et donc regardez, ça c'est bien, ils ont mis un petit truc pour ceux qui n'y arrivent pas. Et donc là après, faut vraiment. Bon, en fait, en première personne, ça marche aussi, hein. Tac. Voilà. Bah si c'est que ça, en vrai, je pourrais y arriver le niveau. Bah, je pense qu'on va rester en première personne tout le long du niveau. Ah là, ok. Bien vu. Ok, faut se tourner. Oula. Donc là, je pense qu'il faut trouver un passage pour aller l'autre côté. On va y aller là. Ah, il y a un bouton là. Donc, je pense qu'en fait il y a un bouton partout. Ah, ils ont mis un mur là. Ah, pas mal. Ah, faut activer les trois, ok. Faut appuyer sur les trois boutons. Intelligent. Voilà. Ok. Ah là, voilà. Les petits carrés. Nice. Ok, donc là ça nous ramène juste ici pour passer au prochain niveau. Ok, première personne. Monte l'échelle. Parfait. Ok, ici on peut en remettre première personne. Ok, bon là j'ai foiré. Passer de l'autre côté. Ok. Ok, ça l'a fait. Et aussi à passer dans le coin. Hop. Ok. Donc là, il y a juste à avancer, hein. Juste un peu long. Donc là, faut pas se taper le marbre, faut juste avancer, quoi. C'est tout. Niveau 111. 112. Ok, comment. Ah, voilà. Tac. Ok, donc là, comment tu. J'ai failli tomber. Petite échelle là. Mais en vrai, ça changerait tout si on pourrait sauter dans cette lobby. Je me rends compte. Ils ont juste activé un truc et lobby, elle est. Bah, tu la termines en 1 heure facilement. Zoom à la première personne. Bien vu, bien vu. Ouais, je suis tombé. T'as du temps, je pense, non? T'as du temps pour passer? Ah non. C'est juste moi, en fait. Ah, là. Hop. Ah, donc ici, on tombe pas. Ici, il faut venir sur celui-là. Ici. Là, sur le côté. C'est incroyable. Ok, ici. Tac. Là, passer. Attention.
Comment on peut passer là? Wesh. On va faire un truc. Attends, comment t'es censé passer? Attendez. Donc là, on a ça, on a un petit truc qui dépasse là. Ah, me dis pas qu'il faut venir sur le haut. Attendez. Ça fait comment là? Comment on peut faire? Bah attendez, on va essayer de faire ça justement. Je crois que j'ai pas compris. Bah ouais, c'est ça pourtant. Ça a l'air d'être ça en fait. Ça a l'air d'être ça. C'est ça! Ok, c'est. Non! Mais non! Bon, j'ai trouvé. C'est déjà ça. Voilà, en gros, faut se mettre sur ça. Et il faut changer de sens. Voilà, faut se mettre au-dessus. Donc là, voilà. Ok, première personne. Première personne. Donc là, est-ce qu'il faut faire pareil? Ok, donc là, non, c'est facile. Arriver ici. Voilà, donc là, faut prendre ici. Ok, je. C'est bon. Voilà, petite échelle. Ça va, c'est pas vraiment encore trop difficile. Il faut juste de la logique. Ok. Shift lock. Première personne, ça marche très bien. Ça marche pas comme ça. Non, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne mène pas vers un. Non, c'est pas un téléporteur. Dommage. Il n'y a pas un. Bloc d'échelle. Oui, là, ça va être compliqué sans shift lock. Ah, bah ça passe. Ça passe en fait. Comment ça se fait? Regardez, je me retrouve comme ça. Ils sont vraiment en fin, nos skins Roblox en fait. Ok. Bon, bah c'est bon, du coup, la vidéo ne s'arrêtera pas là. Pour l'instant. Hop. De toute façon, je pense qu'on a bientôt fini le niveau difficile numéro 2. On peut passer là. Pourquoi il y a ça? Ok, petit bloc là. Nice. Ici. Ben voilà, en fait, c'est vraiment la première personne. Pas besoin de shift lock. Ok. Bon, ici, ça va. Voilà. C'est juste là, c'est. Faut pas aller trop vite. Là, je vais donner un coup de joystick. Rapide, c'est pour ça que je suis tombé. Petite échelle, je suis tombé de l'échelle. Non, je suis tombé de l'échelle. Alors, pourtant, le niveau rouge est juste là. Allez, les gars, on y est presque. Mettez un like et abonnez-vous et activez la cloche pour me soutenir. On va y arriver. Ok, imaginez, il y a quelqu'un qui me troll à la fin. Ok, là. Donc là, faut pas que j'avance trop vite. Nickel. Ici. On le fait. Ok, les gars. Ok, donc là, c'est le niveau où on doit passer en première personne. C'est un petit labyrinthe en première personne, en fait. Ok, le petit bloc ici pour conclure. Non! Décidément, ils veulent pas que je finisse mon niveau et ma vidéo. Hop. Ok. Je me demande vraiment comment ça passe. Ça y est, les gars. On y est. Le niveau. On va le faire ensemble. Le niveau. J'ai voulu sauter pour battre. Le niveau avancé. Donc voilà, on a fait 121 niveaux. Enfin, 121 checkpoints. Donc voilà, après, je vais vous laisser si vous voulez y jouer. Voilà.
Il vous restera du coup le niveau le plus difficile, folle, extrême, hobby pro et imbattable. Donc je sais pas si d'ici on peut voir le niveau imbattable, ouais ça doit être ce, le truc qui est tout là-bas. Vraiment tout là-bas, là où il y a mon point. Bon bah voilà. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette petite hobby No Jump vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr de continuer les prochains niveaux. C'était Luc et salut!